Coucou les gens, je vous fais une petite vidéo vite fait, maintenant que le grand départ est acté, vous voyez ça au titre de la vidéo, et si vous voulez, d'ailleurs si vous savez pas ce que je veux dire par grand départ, je supposais que vous avez vu la vidéo qui est sortie il y a 3 semaines qui est intitulée Changement en approche. Si c'est pas le cas, je vous mets le lien en description, vous avez toutes les explications dedans, ça dure 12 petites minutes, mais au moins vous avez tous les détails. Donc, cette vidéo, à quoi elle va servir? Ben, en fait c'est très simple, au moment où elle va être diffusée, s'il n'y a pas eu de problème, et je pense pas qu'il y ait de raison qu'il y ait eu un problème en particulier, je dois théoriquement me trouver quelque part dans Londres. Et vous savez que ça marque le début de l'absence que j'ai prévue pour la chaîne jusqu'à la fin de l'année. Et je vous ai quand même préparé des trucs pour pas que vous soyez sans vidéo pendant toute cette période. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors au niveau du programme, ça va être très simple. Les vidéos seront diffusées du lundi au vendredi. Pas de vidéo le week-end, pas de stream non plus. De toute façon, je n'ai pas accès à mon matos d'enregistrement ni à mon matos pour streamer. Donc ça, vous le saviez déjà, mais je préfère vous le rappeler. En ce qui concerne les vidéos, c'est très simple. Vous savez qu'on a Mario Galaxy 2 qui est en cours, et je vous ai dit qu'on irait jusqu'aux 120 étoiles. À l'heure actuelle, on en est à l'épisode 25, on doit être quelque part autour de 108-109 étoiles, dans les eaux-là. Je peux d'ores et déjà vous dire que la 120e étoile, on l'obtient à l'épisode 28, donc vous aurez du Mario Galaxy 2 jusqu'à mercredi, et Mario Galaxy 2 sera diffusé au créneau normal, lundi au vendredi à 16h. Ensuite, pour le reste des rediffusions, je vais vous mettre les 4 streams de la Stream Sanity, vous savez, les lives quotidiens qu'on avait fait au mois d'avril autour de la période de Pâques, que j'ai pas encore eu le temps de vous rediffuser, donc c'est-à-dire Sonic Adventure 2 Battle qui commence demain. Il y aura Half-Life 2 épisode 2 qui commencera quand Sonic sera terminé et Sonic dure 10 épisodes. Il y aura Italo qui commencera après Half-Life 2 épisode 2, donc Half-Life 2 épisode 2 c'est 9 épisodes. Et une fois qu'Italjuice a terminé, on aura le dernier Diddy Kong Racing, à savoir que Italjuice c'est 6 épisodes et Diddy Kong Racing c'est 7 épisodes. Si je me suis pas trompé dans mes calculs, vous devriez avoir des vidéos jusqu'à environ mi-novembre. Donc encore à peu près 5 semaines de vidéos, plus ou moins quotidiennes. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, une fois qu'on aura atteint le moment de la pause de Mario Galaxy 2, les rediffusions de stream, ce sera du lundi au vendredi à 16h, à raison d'une vidéo par jour. Comme ça, on surcharge pas votre boîte d'abonnement. Il y a des vidéos qui arrivent régulièrement. Et à partir de mi-novembre, bah, vu que je n'ai rien d'autre de prévu, il n'y aura pas de vidéo. Par contre, je profite de cette petite vidéo pour faire une petite update sur un truc dont je vous avais parlé. C'est les fameuses vidéos du mois de décembre. J'avais notamment parlé de la FAQ de Noël. Et alors à la base, j'avais prévu de la faire. En plus, j'avais demandé à mes parents de m'envoyer le casque qui passe sous mon ordi portable pour que je puisse enregistrer ça avec une meilleure qualité. Mais ce qui s'est passé, c'est que pas plus tard que vendredi, donc hier pour moi, parce que j'enregistre cette vidéo, nous sommes le samedi, je vais me briser le 4-4, je sais pas si je peux vous le montrer sur le téléphone, voilà. Nous sommes le samedi, au moment d'enregistrer, voilà, il est 9h26, on est le samedi 5 octobre, donc pas plus tard que hier, donc il y a deux jours pour vous, j'ai reçu une info qui me sidère un petit peu, mais je vais être obligé de vivre avec. J'ai reçu un mail de celle qui gère le logement où je vais être logé en Angleterre. Et apparemment, pour le moment, ils n'ont pas internet. Alors, qui arrive à vivre sans internet en 2019? Je vous pose la question. Mais je vais pouvoir y répondre. Bah, je vais être obligé de le faire pendant 2 mois et demi. Du coup, c'est pas sûr qu'on puisse se faire la fameuse FAQ de Noël, en tout cas pas pour Noël. Et j'avais aussi préparé la vidéo du top 10 des découvertes de l'année, mais celle-là, sans connexion internet, je peux pas la publier, non. Par contre, je devrais pouvoir la monter et vous la publier un peu avant Noël si je la publie depuis chez mes parents. Alors ce sera ça, je pense, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc du coup, la FAQ de Noël, on pourra peut-être pas la faire, à moins qu'ils mettent le net dans le logement d'ici Noël, mais je ne suis pas certain. Donc, dans l'absolu, la FAQ, je vous propose qu'on la reporte à début janvier. D'ailleurs, par rapport à la reprise de l'activité de la chaîne, je vais vous faire les deux petites annonces. Déjà, je pense que l'activité reprendra sur la chaîne le 1er janvier, comme on l'a fait l'année dernière avec les Let's Play qui démarre à minuit. Pour une raison toute simple, c'est que je serai de retour à Montpellier, donc dans ce décor que vous voyez là derrière moi, chez moi. Je serai de retour là-bas le 29 décembre. J'ai pas eu tous les congés que je voulais pour Noël, mais voilà, au moins j'ai la semaine de Noël, je peux le passer avec ma famille, j'ai juste besoin d'être présent au boulot pour la semaine du jour et l'an pour des raisons de service minimum. Ça arrive, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça me fait chier, mais si je veux pas me faire virer, faut que je le fasse. Bon, bah voilà, hein. Et du coup, la FAQ de Noël, je vous propose qu'on la fasse début janvier, genre on s'organisera pour répondre. Je réponds aux questions genre la première semaine de janvier et la semaine d'après, je voulais prendre tout comme ça. Voilà, comme ça on est tranquille. Et je vais quand même vous annoncer un des deux let's play de la reprise. Pourquoi un? Parce que le deuxième, je n'y ai pas réfléchi. Et pour faire simple, voilà, vous voyez l'espace qui est entre mes mains là? Et ben vous voyez le titre du jeu. Et j'espère que ça vous fait plaisir.
Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Je vais vous souhaiter déjà une bonne journée, un bon dimanche, ou une bonne journée, quel que soit le jour où vous regardez ça, bien évidemment. Et profitez bien des vidéos qui sont sur la chaîne, et on se retrouve normalement en fin d'année ou début 2020 pour la reprise. Moi, je compte bien profiter de mes 2 mois et demi en Angleterre pour m'amuser, pour faire du bon boulot, pour découvrir une région sympa. Et j'essaierai de vous partager ça dans quelques tweets si j'ai du réseau là-bas. Il n'y a pas de raison que j'en ai pas, donc autant en profiter. Allez, je vous dis surtout, je vous remercie encore 1000 fois votre soutien, ne changez surtout pas, restez comme vous êtes les gens, parce que vous roxez du pimpon. Je sais qu'on vous le dit pas assez souvent, mais vous roxez du pimpon. Et puis, on se revoit début 2020 pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.